La nouvelle loi du permis de conduire, les gars. Tout le monde en avait parlé pendant un petit moment pour la loi des 5 ans du permis de conduire. Et malheureusement, je suis tombé sur la vidéo de certains moniteurs qui disaient que le permis était valable à vie. Vous savez, le permis 3 volets et l'ancien permis. Bon, déjà, je vais vous décevoir pour tous ceux qui ont l'ancien permis, vous savez, à 3 volets, en papier, là. Il est pas valable à vie, les gars, c'est faux. Effectivement, il a une date de validité. À partir d'une certaine date, bah, il marchera plus. Il faudra demander le nouveau obligatoirement. Avant qu'on me traite de menteur, voilà. Non, le permis conduire rose cartonné reste valable jusqu'au 19 janvier 2033. Donc ça veut dire jusqu'à cette date-là, vous n'avez pas besoin de le changer. Mais là, il faudra le changer. Maintenant, on va parler du nouveau permis. Ceux qui ont la carte, là. Et qui, avec la nouvelle loi, est valable 5 ans. Tout le monde disait, ouais, faut repasser le code, faut repasser la conduite, etc., etc. Moi, je vous ai dit, je suis pas sûr. Ça m'étonnerait quand même. C'est bizarre, votre truc. Et maintenant, on a plus d'infos. Le renouvellement consistera en une simple démarche administrative. Il n'y aura ni examen de conduite, ni contrôle médical à passer. Moi, je pensais qu'il y aurait une visite médicale. Apparemment, non. Tant mieux. Ou plutôt tant pis, moi je pense qu'il aurait fallu une visite médicale quand même, c'est peut-être mieux. Donc les gars, arrêtez d'écouter tout ce que vous entendez sur internet. Vérifiez vos sources et écoutez pas le premier venu. Si tu veux d'autres astuces, like et abonne-toi. On est presque à 700 000 abonnés.